À Don Esteban si je peux fouiller le temple. J'ai pas eu la moindre nouvelle du continent. Et on n'a aucune nouvelle des autres. Ah. Peut-être une solution. Bon bah j'imagine qu'il faut aller en fait directement au camp. Et avant ça, allons dormir. Je rappelle, à chaque fois qu'on doit terminer un tombeau, on doit aller dormir parce que sinon, niveau point de vie, on va jamais aller très loin. Et il faut qu'on trouve ceux qui vendent des potions. Comme par exemple lui. J'ai besoin de potions. Je t'achète tout. Voilà. Prenons-nous maintenant à notre chambre. On va donc dormir. Qu'il reste un endroit sûr. Faut faire attention. Ils sont imprévisibles. Cet endroit se trouve lentement. Mais rien ne change. C'est toujours pareil avec lui. J'aimerais pouvoir faire davantage. Il me faut quelques passe-partout. Je me rappelle qu'il faut que je parle à Léon pour lui prévenir de ne pas rester dans le coin. Est-ce que Hepatie est rentrée? Non, pas encore. Ça m'effraie. J'espère qu'elle va bien. Bon, allons voir Léon. Après quoi on se les portera au camp des rebelles. Laissez-moi passer. C'est l'inquisiteur qui m'envoie. Entendu. Mais vous continuez à obéir à l'inquisiteur alors que celui-ci est déclaré comme fou furieux et dangereux pour l'île? Enfin, moi, de ce que j'en dis. N'oublions pas qu'il y a aussi cette histoire des quatre meneurs, là. Quatre hommes lézards qui dirigeraient les autres. De ma part. Léon est par là. Non, je me suis trompé. Et on va profiter qu'on soit là-haut pour vérifier qu'il n'y a pas de lézard vers le vers en bas. Désolé, je peux rien pour vous. Oui, mais Léon, là, c'est, comment dire, un peu dangereux de rester dans le coin, en fait. Pas de lézard par ici. Tiens ça. Ok.
Il ne me reste plus qu'à me TP. Allez hop, c'est reparti. Camp des rebelles, nous voilà. Oh mince, j'ai oublié. Qu'avez-vous en vente ? Oui, il doit avoir de nouveaux trucs. Je les achète par principe. Maintenant que je suis là, je vais pas retourner en ville pour aller chercher du matériel. Fincher, donne-moi l'autorisation de pouvoir rechercher dans les... dans l'intérieur. Vous êtes déjà allé dans la chambre inférieure de ce temple ? Nous n'avons pas beaucoup avancé dans les passages inférieurs. Nous sommes tombés sur un champ de force bleue étrange. Quelqu'un a usé de magie afin de sceller une partie du complexe. Impossible d'aller plus loin pour l'instant. Évidemment, vous n'avez pas le sort approprié. Vous voyez ? Vous en savez plus que moi. Si vous trouvez un moyen de passer, n'hésitez pas. Allez d'abord voir ce qu'il y a sur place. Je me passerai aisément d'une autre horde de bestioles déferlant sur nous. D'accord ? Comme je le comprends. Mais j'avais déjà nettoyé. Ok, à partir d'ici, on va devoir faire gaffe. Attends que le sort se dissipe. Parfait. Ah. Sauvegardons. N'oublions pas ces truffés de pièges, ces trucs-là. Et de soleil. M'attendais à des sauriens, moi. Ah bah ils sont là ! C'est juste qu'ils sont passés à l'état de mort vivant, d'accord. Je crois qu'on a compris. Hein. Ok. À partir de là, faut chercher. Oh non. Encore des trucs à hôtel. Bon bah on y va. D'accord, donc c'était un piège. C'est la fragile.
Ah d'accord. Oh là 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 là. Ah zut. Parce qu'évidemment, si tu utilises la lévitation, ça marchera pas. C'est trop loin. Et le Godmon ne nous permettra pas de passer au travers. J'en ai un. Faut trouver le deuxième, quoi. Elle est fragile. Encore une fois. Allez, on ouvre pour c'est le principe. Fragile. Voilà, c'est fragile. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je n'imagine pas. Peut-être un squelette. Oh mon dieu. Surprise. Ok, ici c'est quoi le piège? Ouvrir les autres, hein, par principe. Oh, une nouvelle hache. Allons vérifier combien de dégâts elle fait. Alors. Oh, la hache des... Ouh. J'accepte. Ça, c'est de la hache, mon ami. Ouais, donc c'est ça, en fait. On va nous donner tout l'équipement des titans dans chacun des trucs. D'accord. Alors, où sont les bustes? Voilà. Un.
Voilà le deuxième. Ça marche pas. Parce que je les ai mal placés, c'est ça. Bon, alors recommençons. Donc j'ai mis celle-là là. Ah d'accord, c'est celle de mage qu'il faut prendre et pas celle des serviteurs. Enfin je connais hein. Ah mais c'est toi qui a la hache. Enfin le marteau de guerre là de l'autre. Il est invincible. D'accord, ok. Ah, ou alors c'est juste pour vous montrer que... ouais. Va les éteindre à chaque fois en fait. Et non, je l'ai eu. Le marteau du seigneur des titans. Et ben voilà. Ça c'est du 120, mais ça aussi c'est du 120. Il me faut l'armure d'Ursegor. D'accord. Et un tombeau de fée, un. J'ai trouvé les bottes, maintenant il me faut trouver les brassards, l'armure... l'armure qui va sur la poitrine, les cuirasses qui vont sur les jambes. Et de là, on aura réussi. Salut les gars. Je suis allé au temple, celui qui est situé à l'est. Qu'y avait-il là-bas? Vous avez fait des découvertes valables? Y a plus rien. Vous avez vraiment tout ratissé? Parfait. Cela fera toujours ça de moins pour l'Inquisition. Oui, mais le truc de l'Inquisition, on s'en fiche un peu, mec. Savez-vous ce qui se cache dans les profondeurs de ce temple?
D'après les inscriptions, je pense qu'il peut y avoir un prêtre enterré là. Quiconque a bâti ce temple était profondément versé dans la magie noire. Je vous suggère la plus grande prudence. Vous avez raison. Il s'agit bien du tombeau d'un prêtre. Ah ! Vous êtes donc déjà descendu jusque-là ? En effet. Et vous avez vu juste concernant la magie noire. Mais vous avez survécu. Tenez, prenez ceci. Cela devrait vous être très utile lors de vos prochaines aventures. Merci. Revenez en vie du volcan. Mes vœux vous accompagnent. Avez-vous des articles à vendre, mage ? On lui achète tout. Il nous faut tout, là. Notre survie et celle de l'île en dépend. Bien, allons nous reposer maintenant dans notre lit. Non, j'ai quand même des potions. Et c'est juste à côté en fait. Enfin, à côté, je me comprends. Oui, je me déplace, t'inquiète. Le prochain temple, il est dans la forêt. Alors allons dans la forêt. On va avoir en fait tout un truc en or, on va devenir un chevalier du Zodiac. Je pense pas qu'il me vendra quoi que ce soit qu'il pourrait mettre ici. Sachez vous tenir. D'ailleurs, j'ai combien de sauges rêves, moi, à force ? Oh, je peux lui donner les deux packs que j'ai, quoi. J'ai un peu de sauges rêves pour vous. Bon travail. Voici votre or. J'ai un peu de sauges rêves pour vous. Bon travail. Voici votre or. Et petit bonus. Allez hop. Et les gars de Don Esteban ont même pas cherché à fouiller là-dedans. Eh ben, c'est comme. Bonne chose. On est sur le bon chemin. Joli. Et notre pote là avait une carte sur lui. Je me dirige bien vers le bon truc. Ouais, il a l'air de dire que je suis. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Alors, Morveux, on joue dans la cour des grands maintenant. Brogard,
Tu t'attendais à qui? Le roi des gnomes? Je savais bien qu'on se verrait un jour ou l'autre. Et plus d'Esteban pour veiller sur toi. Esteban ne me protégeait pas. Très bien, finissons-en. C'est l'heure de payer, morveux. Mettez-le en pièces! Regarde, regarde. Merci, merci, j'ai compris. Alors que je prévienne les gars du camp que, Brogard est mort, quoi. Voilà qui peut servir. Et bêtement, en plus. Il aurait pu s'abstenir, mais... il a préféré vouloir jouer les gros durs. Monde par ici. Voilà un tombeau particulier. Je me dis qu'on est dans un repère des hommes lézards. Je suppose que ça c'est pour le retour.